Bonjour! Ah, tu me vois? Tu me vois? Ouais. Bon, ce matin, on a décidé de rouler au Bourbonnais. Et on n'a rien filmé ce matin parce que. On voulait faire des essais de la voiture et madame a voulu essayer ses premières fois en drift. Donc là, on va se lancer pour une petite après-midi sympa. On va essayer de faire 2-3 vidéos. Allez, bisous! Thank you.
On n'a rien filmé ce matin parce que là on va se lancer pour une petite après-midi sympa. Là-bas. Ouais, tu vas être 4 jantes neuves, tu vas y être, attention, tu vas y aller tranquille. Ta main comme ça, jamais. Merci. C'est bon ? Vas-y. Hop, petite voix off. Juste pour vous demander d'être un peu indulgent avec madame. C'est la première fois qu'elle monte dans la BM. Ses expériences avec des véhicules en propulsion n'ont pas été des meilleures les premières fois. Elle l'a échappé belle quand même. Et ensuite, elle a pu mettre les fesses dans une voiture de drift grâce à un copain, où elle a fait vraiment 3 tours de découverte. Et ensuite, elle s'est mise à Assetto Corsa. Une semaine avant qu'on aille sur le circuit,
pour pouvoir se faire la main, éviter de prendre des grosses raquettes, éviter les bacs et connaître la piste aussi. Même quand je rentrais du boulot, les pieds dessus, c'était rigolo. Je voulais avoir ses premiers coups de volant avant sur le jeu. Et je pense que ça a eu son effet quand même. C'est la petite balade là. Est-ce que tu veux qu'on sorte mettre un coup de... Je me fie à ce que je peux. Mets à deux. Allez, bien large. On rentre dedans et on met les gaz. Joli. Non, il y a une voiture, il y a une voiture. Il y a une voiture de même. Il m'a mis une soufflante tout à l'heure. Je l'ai pas vu, j'arrive en travers. Remets ta troisième, reste en trois. Reste en trois, vas-y. Prends large, voilà, va large. Allez, gaz. Voilà. Reste en 3. Vas-y. Allez. Voilà. Ok. Mets-toi l'extérieur, deuxième. Il y a une tankée là-haut, faudra vite que tu coupes. Doucement. Il y a une de tankée là-haut. Allez, deuxième. Vas-y. Personne, on rentre dedans. Ah. Allez. Ramène. Oh, joli. Il y a de la petite raquette. Il y a de la glisse. On va chercher dans le mouillé, vas-y, allez. Joli. Deuxième. Ouais. Ouais. Deuxième, allez. T'inscris là bien. Voilà. Doucement les gaz. Dommage. Ha ha ha.
Allez. Ok. Allez, deuxième. Maintenant, il fait une marche arrière. Allez Madou. It was at this moment that he knew he fucked up. Putain, non, je suis désolé. Bah là, je sais pas trop. Putain. Non. On va arracher le pare-choc devant. T'es sûr? Ouais. À coup sec. Non. Je fais rien. Ouais, fais rien. Si on est posé sur le carter. Désolé. C'est pas grave. Il me dit rien, je suis quoi? Je sais pas, on va voir. Alors, premier vrai bac. Tu sens rien d'anormal dans la voiture? Absolument. Ah, mais quand? Bah, tu vas aller payer ton petit cône. Cling cling. Je suis sûr qu'il était déjà couché. Ah, tu veux retenter à glisser tout toi? Elle est motivée. Mais c'est rien. Elle est clignotante, on score. Don't go too fast, but I go pretty far. For somebody who don't drive, I've been all around the world. Come my lady, come my lady. Qu'est-ce que c'est? Attends, je m'installe, je me coupe au montage. Ah! Simple et efficace, Kevin. Simple et efficace. Débrief de la journée. Débrief de la journée? Oui. Journée drift au Bourbonnais. On a passé plutôt une bonne journée. Oui. Ouais. C'était cool. Ça a été. La voiture, c'était pas mal. Le réglage, les nouveaux réglages châssis,
Franchement, pour moi, la voiture se met à glisser vachement bien. Elle glisse presque toute seule. Manque de grip, un peu du coup. Mais ça, c'est à jouer sur la pression, je pense. Sur la pression de pneu, je vais récupérer du grip. On s'est bien marré. Tu as fait tes premières glisses, du coup. Oui. C'était comment? Pas fantastique. Mais non, en vrai, assez tôt m'a permis quand même de, je dirais, d'assimiler les réflexes et les gestes. Ouais, après, par contre, premier jour, finalement, sur circuit, premier jour de roulage en vrai, premier jour où je prenais le volant de la BM, je ne la connaissais pas, je ne savais pas comment elle se comportait. Toi, c'était un peu la même, parce que finalement, après toutes les modifs que tu as faites, c'est comme si tu découvrais je la redécouvrais complètement, la voiture, une nouvelle bagnole. Puis après, bah, il s'en est suivi. L'appréhension, du coup, c'était la première fois que je me retrouvais sur un circuit, mais derrière le volant. La première fois, plus sur une piste tout court aussi. Oui, enfin, voilà, au volant. Ouais. Passagère, oui, j'avais fait grip, drift, mais derrière le volant, c'est autre chose. Derrière, t'as les nanars qui roulent et qui te foutent la pression. Donc, mais t'avais ton beau gilet plus haut. La technique du gilet de circulation pour prévenir que t'es novice. Mais en soi, non, comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup roulé. J'avais fait quoi en tout et pour tout, même pas, ouais, allez, 5 heures d'aceto et je suis même pas sûre. Ouais, si, t'en as pas un peu plus, je pense. J'ai roulé un bon quart d'heure le matin, 20 minutes, une demi-heure l'après-midi. Ouais. Après, je trouve que non, j'ai été plutôt contente de moi parce qu'au final, j'ai fait quelques glisses, pas forcément, quelques glisses propres, pas forcément sur une durée, une longueur de fou. Mais quelques glisses propres et tenues, oui. Gérées. Ouais, ouais, il y a eu du déclenchement, du maintien de glisse. Faut pas se pas de drag, beaucoup de. Il y a eu du spin. Il y a eu du spin, mais il y a eu. Il n'y a pas eu tant que ça de. T'as limité beaucoup raquettes. Les raquettes ont été limitées quand même. C'était, du coup, ça faisait des belles glisses quand même. Après, voilà, du coup, comme. T'allais pas chercher de langue de fou, mais. Non, la voiture glissait. Mon but était de provoquer une glisse, la vaisselle finie. Mon but était déjà de provoquer une glisse et de contrôler ma glisse et d'essayer de la faire glisser. Enfin, la glisse. On a tous l'instinct, en règle générale, de. Ramener la quand voiture. Une voiture part, de la ramener. Parce que, en règle générale, sur route tous les jours, monsieur tout le monde, c'est on veut pas que la voiture parte. Donc là, il faut débrancher. Un cap du cerveau et se dire le but c'est de la faire partir et de la laisser partir et de la gérer quand elle part et de gérer, enfin c'est tout un truc mine de rien. Ouais non, pour une première j'étais contente, après l'après-midi c'est pas forcément passé comme je l'aurais espéré. Hein, ah bon, pourquoi ? On avait emmené des chaussures de secours pour madame, que les chaussures neuves de monsieur, je voulais pas les casser. Et j'ai eu la flemme de les changer. Et je les ai pas cassées en soi, c'est tout petit. Mais en vrai, le circuit du Bourbonnais, le virage principal qui est vers le plan de vision pour les visiteurs, il y a un putain de trou. C'est même plus une ornière, c'est un trottoir de 15. 15-20, ouais. Et malheureusement, j'ai pas géré du tout la vitesse que je mettais dans le virage et j'ai perdu le contrôle. J'ai fini dans le bac, ça a bien frotté. Tout va bien, le carter va bien et tout ça, mais en fait, bah, on s'est rendu compte en sortant que le pneu à la jante arrière gauche, arrière gauche, le bord est un peu plié. Le bord a une petite pointe. Mais, ça va, mais du coup, en gros, en vrai, en tant que débutante, en tant que conjointe, en tant que conjointe qui roule la voiture de monsieur et tout ça avec des godasses neuves. Ça tue l'élan. Ça tue l'élan. Ouais, ça m'a cassé parce que Non, parce que si on regarde dans la vidéo, pour finir mon tour, clairement, je n'allais pas le faire en roulotant. J'ai essayé. Mais c'est vrai que moi, avec mon caractère et mon tempérament, je me suis sentie mal d'avoir niqué la jante, même s'il m'a rassuré et me dire que c'était pas grand chose. C'était pas. Voilà. Mais mentalement, ça m'a un peu cassé mon délire. Ça m'a fait chier. Donc je lui ai dit de reprendre le volant. Et puis au final, en débriefant sur la route du retour, comme je lui ai dit, j'ai eu cette sensation. Cet arrière-goût, j'ai kiffé ma journée, mais j'ai eu cet arrière-goût de me dire je sens qu'il me manque une demi-heure, juste une demi-heure de roulage. C'était la demi-heure où je sais que je pense que j'aurais vraiment lâché les brides, laisser du lest et puis vraiment me faire plaisir sans être trop dans le mental, justement, me dire faut faire ça dans cet ordre-là pour faire ça, à vraiment kiffer, y aller au talent, au feeling, au plaisir.
Donc non, bonne journée, j'étais quand même contente de moi, bonne première expérience qui m'a d'ailleurs donné envie de continuer. Hein. Ah bon ? Vous le saurez bientôt, je pense. On roule ? Nous allons rouler un week-end complet bientôt. Avec des petites surprises. Hein. Donc du coup, sur un week-end complet, monsieur pourra largement, parce que c'est pareil, sur une journée, mine de rien, ça passe hyper vite et je voulais pas lui prendre trop de temps de roulage. Ouais, mais là, bon, sur un week-end moi, je complet, te laisse aussi, parce que tu vas oui, apprendre, donc il faut que tu roules. Mais je veux dire, c'est, pas en regardant c'est que toi le vrai pilote, moi c'était mes premiers essais. Donc que là, sur un week-end, on va pouvoir vraiment profiter voilà, tous les deux. Tous les deux et pas se dire, allez, dépêche, rends-lui le volant qui kiffe un peu et, ouais. Et ainsi de suite. Quoi. On va retrouver les copains. Mais bon, il y a quand même quelques modifs à faire à la BM. Alors, on oui. sait que ouais. y a le on siège. A arrêté, du coup, on a arrêté un peu plus tôt la journée parce qu'on a un problème de calor stop. Voilà, donc déjà pour préserver la mécanique, on voilà. a dit stop, on arrête là, il était 16h. On a perdu une heure de roulage, mais bon, on n'allait pas casser la bagnole pour. Moi, les modifs faites pour que je puisse prendre le volant, parce que pour toucher les pédales. Ah, le siège, c'est quelque du coup, chose, le siège, on a un problème avec un rail de siège. Bah, déjà, il j'ai bouge un plus. Oreiller dans le dos pour être bien. Mais le rail est bloqué. Le rail est bloqué, donc ça, faut qu'on y regarde avant qu'on roule. Il y a ça. Bon, puis c'est tout, je crois. En vrai, c'est... elle va bien. Si tu voulais faire des vérifs au niveau des cardans, des biellettes, quand même checker tout ça, le ouais, pont. Le point le plus important pour moi, c'est... du coup, le point noir de la journée, je suis content d'avoir monté ah, un oui. grand angle avec des fameuses calpolacs. Et au final, c'est... J'ai un feeling vraiment horrible. C'est clairement pas du tout ce que je recherchais. La voiture se déplace en crabe à cause d'un effet Ackerman de folie. Je vais te placer là un petit bout là, de vidéo là, où tu vas voir la dinguerie que c'est. La voiture, elle est, quand tu arrives limite en butée, la voiture elle est incontrôlable. Ça part pas du tout dans la direction voulue. Moi personnellement, j'ai pas eu ce ressenti là, je vais pas en buter. Mais ça viendra. Mais je vais voir, je sais pas si j'aurai le temps de modifier les fusées ou je vais ou créer. Ou si tu voudras adapter ta conduite si t'as pas eu le temps d'y voilà. modifier. Mais voir pour faire des fois même des butées avant que ça parte en cacahuète. Un truc ouais, un peu artisanal, rock'n'roll, donc voilà. Mais ouais, c'est, au final, si, ouais, c'était quand même cool parce que. On a passé une bonne journée. Après, sachez que le Bourbonnais, ils ont des quines en plastique qui a une base en ferraille. La quine en plastique est très solide, elle nique la carrosserie et elle coûte et la modique somme de 20 balles. Alors, quand tu te fais une sortie, que t'en en manges 3. T'as gagné ta journée. Et il faut faire gaffe, bien sûr, aux bouts de ferraille qui sont fixés dans le bitume parce que ça lacère les pneus. Ça peut être tout bénef pour toi la journée. Au final, on et a. J'ai entendu dire que les. Mais quoi ? J'ai dû mettre des bits. Oh pardon. Excusez-moi, les BITE ont augmenté, ils sont à 25 balles. Ouais. Super. Bon bah, on fera attention la prochaine fois. En vrai ? T'en as pas touché une ? Débutante, j'en ai pas touché une. Bah, il y en avait plus. Oui, à la place où j'ai pris le volant, tous les autres les ont couchés avant. Mais j'ai évité aussi les bouts de ferraille au ouais, sol. Ouais, non, franchement, ouais. J'ai abîmé une jante, mais j'ai pas niqué de pneus. Ouais. J'ai eu peur que le pneu éclate pour le ah coup. Ouais. En vrai, mais non, le circuit est top. Moi, j'ai adoré la largeur de la piste et j'ai adoré. Il y a 3-4 virages que j'adore. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que débutant, je trouve que ça fout une pression à mort. Enfin, moi, personnellement, les BITE, je sais qu'à chaque fois que je sentais la voiture partir et pas partir comme je souhaitais, que j'allais spinner ou faire une raquette ou machin. J'avais l'œil partout parce que bon, elles sont brillantes, speed, elles sont oranges, hein. Mais j'avais l'œil partout pourvu que je m'en prenne pas une parce que mais ça coûte coup, un billet, ça abîme la caisse, tu peux lacérer les pneus. En tant que débutante, du coup, ça apportait encore une pression en plus. Grave. Et puis le virage que je vous dis où je me suis sortie, et de toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Ils l'ont déjà vu techniquement. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, le trottoir là. Je pense que tu viens mal le prendre. Moi, ça va, ça a juste beugné légèrement une jante, même si je m'en suis fortement voulu. Hein. Mais ça pourrait finir grave pire. Enfin, tu viens niquer ton carter à 10h01 le matin. Ah ouais, la journée. Ta journée, elle est faite, quoi. T'es refait. Et tout ça pour une ornière qui n'est même plus une ornière. Bon, enfin, non, pour avoir fait du quad ouais. tous les deux.
Les ornières, j'adore ça, hein, où il y a de la bouillasse et tout, c'est le truc qu'on kiffe. Mais en quad, pas en drift sur circuit. Après, le but, enfin, j'accuse pas du tout le circuit, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, c'est de l'entretien et tout ça, je veux pas du tout que le circuit vienne... Mais bon, on a des copains qui sortent un peu comme des sangliers aussi. Voilà, donc, mais c'est clair et net, je sais que la prochaine fois qu'on va rouler, ce virage-là, je vais pas me le tenter tant que j'aurai pas... plus pris confiance dans la journée. Plus de maîtrise. Voilà, ouais. Et de me dire, si je le tente, c'est que je sais que ça passe. Clairement, je ne vais plus y aller, celui-là ou tard. Après, celui-là, tu l'as passé quelques fois. Bah, je l'ai passé quasiment toutes les fois très bien. Hein. C'est la seule fois où je suis sortie. Mais d'ailleurs, c'est la seule fois de la journée où j'ai fait une vraie sortie. Oui, parce que tu n'as pas fait de bac réellement, il n'y avait que celui-là. Mes spins et tout ça, je suis toujours restée les quatre roues sur le bitume. Ouais. Hein. Bonne expérience, mais c'est vrai que du coup, moi, je sais que le coup de ma sortie où j'ai niqué la jante, ça m'a coupé dans mon élan. Parce que je me suis dit putain et merde, les jantes, on a emmené des vieilles jantes pourries exprès et. Mais c'est de ma faute, j'ai eu la flemme de les mettre. Et bim, et puis. En vrai, parce que je me suis dit que t'allais te démerder, ça allait super bien se passer, au final. Bah ça s'est bien passé, hein. Oui. Mais je pense que je vais bien plus savourer. La prochaine fois. Notre prochain roulage, même si je pense que j'aurai toujours les premières minutes. Ce stress de me lancer sur la piste au milieu de tout le monde qui gère et de me dire attends. Mais t'auras ton super beau gilet fluo. Oui. Non, ça c'est le bon bail. Ça permet quand même de prévenir ceux qui arrivent Mac 12 derrière. Attention, il y a un jeune devant qui fait ce qu'il peut. Quoi. On fait comme on peut. Voilà. Ça reste quand même positif pour la journée. Et, on a hâte de refaire un roulage. Ouais. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Hein, quelques vidéos encore. Prochain roulage. Et tout, on a des petits trucs à essayer. Vous verrez peut-être passer des vidéos de carrosserie sur une Golfinelle magnifique aussi. Oh, ah bon, sûr? Oui. Non. Si. Ah bon? Il faut qu'elle soit peinte et il faut que tu la peintes. Oh. Que tu la peignes. Je parle pas très bien français. Ah, tu causes la France, toi. Bon, bah allez, sur ce, on vous fait des gros bisous. Oui. Pensez à vous abonner. Hein, la petite cloche, le pouce bleu, tout, la totale. C'est une professionnelle. Et si vous voulez, au cas où. Ah, ça faudra nous contacter en private pour avoir les t-shirts. On va voir pour lancer un merch peut-être. On va voir ça. Allez, gros bisous. Salut. À la poche pleine. Hein. Allez, ciao.